Oyo les amis, oyo et bienvenue sur la matinale du Kabuki. Regardez cette intro, nous sommes sur Lonesome Village, on regarde ça ensemble et puis après on papote. Installez-vous, c'est la matinale. Regardez, c'est un petit peu le début du scénar. Oui, voilà, ce matin on regarde un petit jeu donc de Ogre Pixel. Comment dire? Bonjour Nico Danger. C'est un jeu qui est sorti en Kickstarter il y a à peu près 2-3 ans. Il avait été lancé. Et c'est un mix entre un Lose, un Legend of Zelda, et puis un Animal Crossing. Pas de soucis, Nico, t'arrives. Ah, bonjour Kabuki! C'est le matin, ça réveille, il n'y a pas de souci. Oui, donc ce que je disais, c'est que c'est un Lonesome Village. Voilà, c'est un jeu qui est sorti le 1er novembre, donc il y a une semaine, mardi dernier. On l'avait reçu, mais il y a eu des gros titres qu'il fallait montrer sur le live. Donc je m'étais réservé un petit matin de semaine pour qu'on le démarre. Et à la fois, voilà, une Legend of Zelda et un Animal Crossing, dans le sens où il y a un peu de simulation de vie. Mais il y a aussi des énigmes. Excusez-moi. Ouf. Ouais, il est tout mignon, le petit dernier. Et c'est vrai que c'est très pipou. On va voir, c'est en français. Alors, la traduction est approximative, hein, parfois. Comment on va l'appeler? Alors, lui, c'est un coyote. C'est un coyote. On va l'appeler Kabou, comme d'hab. Hein. Et donc on va se faire un petit gameplay découverte ce matin. On va réfléchir ensemble. Ça va être sympa. Comment ça va Nico ce matin? Alors je sais pas s'ils vont nous remettre l'intro. Il était une fois dans un village appelé Ubora. Parmi les habitants se trouvait un groupe de personnes vénérant des déités, guidé par l'ambition de trois leaders. Un jour, en faisant un rituel, les portes dimensionnelles se sont ouvertes. Je suis désolé, j'ai une toux là. Je pense que j'ai la gorge sèche. Alors, un jour, en faisant un rituel, les portes dimensionnelles se sont ouvertes. Rincé, mais tu vas penser que j'aurai de... Non, je comprends, Nico. Je comprends. Que c'est des phases, des cycles, etc. Hein. Ça m'arrive aussi. J'avoue, j'ai repris le taf hier, j'étais déglingué le soir. Les leaders trouvèrent la vraie déité. Cette déité était à la recherche d'un objet mystique et son porteur. Les porteurs se verraient alors accorder ce qui est le plus ardemment désiré, savoir, force et pouvoir absolu. J'ai l'impression que c'est à moi de me déplacer, non? Eh ben non, c'est une cinématique. Encore ce rêve étrange, hein? Je suis certaine que tu pourras bientôt trouver des réponses. Tu as simplement besoin de regarder au bon endroit. La ville d'Ubora est au nord d'ici. La forêt. Tu peux consulter ta carte pour mieux te situer.
Ne perdons pas de temps, on t'attend. Avec ce miroir, tu peux me parler quand tu veux. N'hésite pas à l'utiliser si tu as besoin de mon aide. Ok, bon, on doit aller dans la grande tour. Si jamais tu as besoin de sauvegarder les progrès de tes aventures, assure-toi d'utiliser une de ces statues. Ok, quand ça brille, on peut ramasser des trucs. Bon, on va aller en haut. Hein. Là, c'est sûr que c'est pas la sœur de Mio, c'est clair. Hop là. T'en es où dans Xeno 3, Nico? Hey, coucou Sonia, comment ça va? Regarde-moi ce jeu pipou. Un mix entre Zelda et Animal Crossing, apparemment. On découvre. On en est au tout début. Tout début, début. Donc on joue un petit coyote qui était dans la forêt, qui devait se diriger vers un village. Il y a quelqu'un qui lui parle à travers un miroir. Voilà. Écoute, moi ça va bien, j'ai repris le taf hier, j'ai après une semaine d'arrêt, enfin de repos, où j'étais avec ma fille, la semaine était mouvementée, et puis reprendre le taf, ça a été violent. J'y croyais pas hier. Et puis on verra aujourd'hui, hein. Pour moi le plus dur, de toute façon dans la reprise, c'est toujours le deuxième jour. Xenoblade 3, malheureusement, pas beaucoup avancé dans le scénar. Ben c'est pas très grave. Tu as avancé, tu as farmé à mort ou t'as carrément pas eu le temps de jouer, Nico? J'allais t'appeler Xeno. On a réussi. Voici la ville d'Ubora. Mais c'est comme je le craignais. On dirait que tous ces villageois ont disparu. Alors c'est ce qu'on a vu en intro. Tous les villageois ont disparu alors qu'ils faisaient une fête et ils se sont retrouvés sous forme de flammes dans une tour géante qui est au nord du village. Regarde-moi cet endroit, autrefois tellement plein de vie, et maintenant une ville fantôme. Et courage à toi, Sonia, j'ai cru comprendre que c'était bien chargé de ton côté aussi. Oh, merci pour le resub, excellent. Merci pour ton soutien. Et du coup, on va arriver à ouais, 6 sur 30. Si très rapidement, parce que le jeu sort bientôt, on arrive à 30 subs, je me sacrifierai et... Je jouerai à mon jeu pas du cœur, le dernier Sonic Frontière. C'est ce qui est écrit en haut, c'est l'objet. Voilà, si vous voulez me faire du mal, sebez. Sinon, ne sebez pas, s'il vous plaît. Merci en tout cas, Sonia, pour ton soutien. 14 mois d'abonnement, c'est pas rien du tout. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on traîne ensemble sur Internet, du coup. Merci en tout cas de toujours suivre ces lives où j'essaie de vous faire découvrir des petites choses de temps en temps. Et puis voilà, on s'amuse, on papote. Désolé, c'est l'émotion. As-tu aperçu ce loup mystérieux? Je crois qu'il se dirigeait vers les ruines du temple. Nico, pas de temps disponible pour prendre le jeu, la vie est trop dure. Ah oui, chaud quand même. Après, oui, c'est vrai, les jeux vidéo, c'est pas une priorité, hein, c'est un loisir. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un bon équilibre entre loisir et travail, c'est pas évident. Et puis tout le reste, tout ce qu'il y a entre deux. Suis-le, il est peut-être responsable de tout ça. Et on attaque donc le premier chapitre, la ville d'Ubora. En ce moment, je n'ai même pas envie d'allumer la Switch. Ah ouais, tu dois être quand même, c'est cool, tu dois être quand même bien, bien fatigué alors. Bijoux, Data Ripple, comment allez-vous? On est sur un petit jeu, Lonesome Village, issu d'un Kickstarter.
qui serait un mix entre Zelda, le premier, et Animal Crossing. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces ballons? Non. Bon, on nous a dit d'aller vers le haut, vers le nord. Ah, bon appétit, Data. Moi, j'ai Miam avant. Alors, tout ça, ce sont des points de sauvegarde, apparemment. Donc, des checkpoints. Non, on peut pas sauvegarder réellement. Bah, bon petit déj. Enfin, je sais pas si c'est ton petit déj ou si t'es réveillé depuis longtemps. Et que c'est une sorte de repas pour toi. Une collation. Tomates, miam, j'adore les tomates. Mon fruit préféré. Pour lancer un débat. C'est les deux, ok. Petite cinématique. Coronia, salut, plaisir de te rencontrer. Je m'appelle Coronia. J'étais celle qui te parlait à travers le miroir. Ok. Cette loupe contient des pouvoirs incroyables. Elle sera d'une grande aide dans la tour. Ouais, il est bien pipou ce jeu. Hein. Tu vas voir Sonia. Et puis il joue sur des cordes sensibles de jeux qu'on a beaucoup aimé. Je vais te montrer comment t'en servir. Alors, Y. J'ai sorti la loupe, j'ai trouvé un œil. Et j'ouvre la porte. Bien joué, avec la loupe, tu seras capable de découvrir une tonne de secrets. Tu peux utiliser différents objets en les équipant à partir de ton sac à dos. Et rappelle-toi. Tu n'as pas besoin de transporter tous ces trucs dans ton sac. Tu peux les conserver dans un des coffres bleus. Il y a un coffre bleu à ta tente dans la forêt. Et je suis certaine que tu en trouveras d'autres à l'avenir. Alors on voit en haut à droite de l'écran qu'il y a une notion jour-nuit. On va voir comment ça joue dans le jeu. Alors ici on a le chiffre 1, le hibou, des lunettes apparemment. Là-bas on dirait un ticket de cinéma. Je vais sortir la loupe. Ok. Les escaliers à droite. Bon déjà on va sauvegarder. Enfin on va, ouais. On va sauvegarder. Et j'irai bien ici, là, dans le portail. Défi de hibou. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des leviers. Bon, bah on va activer les leviers. Hein. Bon, c'était très simple, je pense, pour se mettre dans l'ambiance. Ok, on a une paire de lunettes.
C'est ce qu'on voyait sur la stèle dans l'autre pièce. J'ai l'impression que l'objet que tu viens de recevoir est d'une grande importance. Si je me souviens bien, il y a un piédestal dans la pièce principale de ce même étage avec exactement la même forme. Pourquoi n'essaies-tu pas de le placer dedans et voir ce qui arrive ? Exactement ce que j'allais faire. C'est pour faire le beau sur la plage? Excellent, Nico. Merci de m'avoir libéré de cette statue, mon garçon. Je m'appelle Earl. Je suis un enquêteur indépendant ici au village d'Ubora. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Alors voici la fameuse tour. Ça fait un moment que je l'étudie, mais je ne pensais jamais y mettre les pieds un jour. Toutefois, je peux t'apprendre plusieurs choses à ce sujet. Suis-moi. Ah bah, ils sont barrés de la tour. Ma foi, regarde l'état de ma maison. Si elle ressemble à ça, je me demande depuis combien de temps j'étais enfermé dans la tour. Pourrais-tu me donner un coup de main pour la réparer? La transition était un peu à la hache quand même. Il y a fort longtemps, il y avait une tour comme celle-ci. Tout comme celle-ci. À l'intérieur, l'amitié était la clé pour percer. Une qualité qui peut seulement être obtenue grâce au cœur. Que sont ces cœurs? Eh bien, mon garçon, ce sont des signes de gratitude. Comme le nettoyage de sa maison. Ouais, ça a été vite vu. Hein. Bon, ça évite une quête interminable. Hein. Seulement un héros au grand cœur peut les gagner en aidant les gens de ce village. Chaque porte exige un certain nombre de cœurs avant d'ouvrir. Là j'appuie sur A mais il ne se passait rien. Donc là j'ai réparé sa maison, enfin je l'ai aidé, je gagne un cœur. Et là il faut un cœur pour ouvrir cette porte. Ça tombe bien. Comme tu le sais, tous les villageois ont disparu, mais je peux toujours les sentir à l'intérieur de cette tour. Tu dois les aider, tu dois tous nous aider, je t'en prie. À l'heure qu'il est, tu es notre seul espoir. Alors ici, nous avons une pomme, je suppose. Hop, n'oublions pas de sauvegarder. Et ici, c'est quoi, un cochon? Ou peut-être autre chose. Du coup, une énigme à résoudre, certainement pour le libérer. Pas de cochon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit un levier x3. Si j'active la loupe. Ok, il y a un pont. Est-ce que ça se récupère, ça? Non. Ah, on peut éteindre. Bon, allez, on sait qu'il y a un pont, on va se déplacer. Toujours tout droit. Alors, ici, il n'y a pas grand-chose. Quand même visiter. Sympa les petites lucioles.
Je suis tombé. Alors, ok, bah, c'est tout droit. Je vais quand même aller voir ici. Et apparemment, il n'y a rien. Hein. Ah si, il y a un autre... Il y a un autre chemin par là. Du coup, est-ce que c'était un cul-de-sac, l'autre, ou est-ce qu'il y avait un cadeau? Ça me met dans le doute, quand même. Bon, bah, je suis tombé. On va tenter le premier, déjà, pour voir, mais je pense que ça, c'est le piège classique. Voilà. Il y a soit que dalle, soit un petit cadeau et un cul-de-sac. Et non, ça continue. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, bon, ça c'est un peu relou. Ah, on peut jouer à la croix, ça. N'ai rien dit. D'accord. Alors. Hein? Non, bah il faut en activer 3 alors, ok. Donc, il va y en avoir un tout en haut et un tout à droite. Je suppose. Et hey, le Harmony, merci pour ton raid. Attends, je vais essayer ma petite la petite commande là. Tac. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Le Salam Harmony. Ouais, ça marche. Une petite dédicace. C'est cool. Donc vous pouvez cliquer sur le pseudo pour ceux qui connaissent pas encore Armo. Tu joues à quoi le Harmony? Deuxième levier, on peut repartir en arrière. Et le troisième, peut-être par là. Alors, ici, il y a un chemin. Il y a quelque chose d'écrit là. Mais comment on fait pour... Alors, je vais quand même regarder si ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble pas à grand chose, hein. La loupe, c'est Y. Bon, bah, il nous manque un interrupteur quelque part, là. Il me semble qu'ici on l'a fait. J'étais sur... Ah, P5R, ouais. Moi je suis à 42 heures là. Je suis au troisième palais. Je vais dodo. Ben, bonne nuit et merci pour le raid. Et puis... fais de beaux rêves, le Armo. Rêve pas trop de Tokyo. Du coup, là, on l'a fait, ouais. Donc on en a fait un ici. Est-ce que ça serait pas une petite feinte vers le bas? Si. Hop. La pomme. Et là bien sûr on peut pas passer. Du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de tomber là, vu qu'on perd rien, pour redémarrer à l'entrée et aller tout droit en fait? Ça peut être une strat. On va remonter par là.
À toutes. Alors, du coup, pour ceux qui nous rejoignent, on est sur Lonesome Village, un jeu qui était proposé en Kickstarter il y a 2 ans à peu près. Il vient de sortir sur PC il y a une semaine et Nintendo Switch. C'est un hybride entre Animal Crossing et Legend of Zelda. On en est au tout début du jeu. Kiniku Mantalo, comment tu vas? Salut, je m'appelle Benji, voici mes enfants Rita et Chopi, ravi de te rencontrer. Bah écoute, ça va bien, on est retourné dans la vie active après une semaine de congé. Et là, on se teste un petit jeu qui nous a été envoyé par Fern, que je remercie, et qui fait la promo de Ogre Pixel, qui sort ce jeu... après un Kickstarter. Salut, je m'appelle Benji et voici mes enfants Rita et Chopi. Ravi de te rencontrer. Oh, et merci de nous avoir sauvés de cette tour. Ça m'a brisé le cœur de voir Chopi et Rita si terrifiés. Je ferais mieux de les rapporter à la maison maintenant. On habite au centre du village. Eh bien, à bientôt et encore merci. Donc, pour te faire un petit résumé, Kiniku... on est arrivé dans un village où tout le monde a disparu. En fait, tous les villageois ont été enfermés dans une tour suite à un rituel qui aurait mal tourné. Et donc, on progresse dans cette tour, on libère des villageois qui retrouvent leur maison délabrée, hein, parce que ça fait des années qu'ils sont dans cette tour apparemment. Et donc, on les aide à retaper leur baraque, on leur rend des services, etc. Ça nous apporte des cœurs, en fait, d'aider les gens. Et donc, ensuite, on accède à des portes dans la tour où il faut un certain nombre de cœurs pour les ouvrir. Et quand on ouvre donc une de ces portes, on a une nouvelle énigme à résoudre pour libérer de nouveau quelqu'un, etc. Voilà ce qu'on a vu pour l'instant du jeu. On a libéré 2 personnes. Un hibou et un cochon. Coronia. Eh, écoute, une fois de temps en temps, la tour requiert une offrande afin de poursuivre. Et Kiniku, tu me disais, je suis en vacances, c'est pour ça que tu me vois. Tu me vois, ça va faire du bien depuis juin. Ah ouais! Ah ouais, depuis juin. Ça fait avant l'été, ouais. Moi, c'était quoi? Non, moi, c'était quand même depuis août, ouais. Depuis août, j'ai pas pris de congé, mais moi, j'ai suis un peu les vacances scolaires pour voir ma fille, hein, comme vous le savez. Les portes ne s'ouvrent que pour ceux qui leur donnent exactement ce qu'elles demandent. Donc en plus d'aider les villageois, il faut faire des offrandes. Tu peux voir ces demandes dessinées devant celle-ci. Tu dois chercher et offrir au sanctuaire l'objet en question. Je crois que tu peux trouver des poissons au lac du village. Va trouver Earl, il devrait pouvoir t'aider. Quand tu auras bien récupéré ce dont tu as besoin, ouvre la porte et continue ton épreuve. Si tu as du mal à te rappeler ce que je viens de dire, alors tu as des ennuis parce que je ne me répéterai pas. Je blague. Si tu as besoin que je me répète, contacte-moi à travers le miroir. Ok. Donc là, l'offrande du poisson, on la voit ici. Hein. Ah bah oui. C'est vrai. Bah, c'est comme ça, hein, la première année, on est d'accord. On en chie un peu et puis après on jouit de nos vacances. Tu as des RTT ou pas? En plus de tes jours de congé. Et ça représente beaucoup de jours en plus. Ça te permet de poser une semaine par exemple ou deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ascenseur! Ah ouais! Ça, c'est le coffre bleu pour poser nos affaires, ok. 40 jours de CP par an en tout. Ah, bien. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. C'est une bonne... c'est un bon quota. Ouais, CP et RTT compris.
Moi, avant, je suis dans une boîte, on devait prendre. On avait 12 jours de RTT en plus des 25 jours. Donc ça faisait 37. Mais on devait les poser, les 12, on devait les poser une fois par mois. Tous les mois, on devait en poser un. Et là, maintenant, dans la boîte où je suis, je crois que j'en ai à peu près autant, mais je les pose quand je veux. Donc ça correspond à presque 2 semaines de taf, quand même. Plus de 2 semaines de taf. C'est quoi RTT? Oh, pardon, Sonia. Bah, il n'y a pas les vacances scolaires chez nous. Mais les RTT, c'est la récupération de temps de travail. Alors, je sais pas si tu trolls ou pour dire que tu n'en as pas. Ou si chez vous, ça n'existe pas. Tu me diras, je t'expliquerai dans ce cas-là. Je vois que tu viens de sauver Benji de la tour. Bien joué, gamin. Tu peux utiliser ta carte pour trouver où les nouveaux villageois sont localisés. Ah, tu connais pas? Bah, en fait, à un moment donné, en France, on faisait 39 heures, d'accord? 39 heures de taf. Et puis les syndics, etc., ont fait passer un truc bah, de passer aux 35 heures. Tu as dû en entendre parler. Alors, si je dis des conneries, amis français, vous me reprenez, hein, mais si je me souviens bien, donc on est passé aux 35 heures, mais dans certaines boîtes, on pouvait toujours faire 39 heures ou 37h30 ou des choses comme ça. Et du coup, ce temps de travail ajouté aux 35 heures par semaine, hein, eh bien, on le récupère. Donc il est recalculé en jours de repos que tu peux poser ben pour profiter de la vie, t'occuper des choses chez toi, faire des loisirs, etc. Afin de plus bosser comme un forcené. Parce que 39 heures, c'était beaucoup pour le français. Voilà. Sachant que quand par exemple, tu as une entreprise, que tu es ton propre patron et que tu démarres, tu peux facilement taper les 60 heures. Hein. Donc, et puis, mais voilà, plus on avance dans les époques, et moins on a envie de bosser, hein, clairement. Et moi, j'ai connu les 39 heures sans RTT. Après, j'ai connu l'arrivée des RTT. C'est classe quand même. Ça fait des jours de vacances en plus, on crache pas dessus. Et donc, suivant les boîtes où tu bosses, t'as différents quotas d'RTT. Par contre, quand tu es en éducation nationale, etc., bah, tu as des vacances imposées que tu ne peux pas choisir quand est-ce que tu les poses, et il n'y a pas d'histoire de RTT. Tu peux aussi voir sur ta carte si un villageois a une quête pour toi. Dès que tu le peux, je te prie d'aider les villageois. Je suis sûr qu'ils te remercieront. Ouais, il est tout pipou le jeu, Kinikou. Il est pas dégueu pour de la Switch, hein, il passe bien. J'imagine qu'en portable OLED, ça doit bien être flashy aussi. C'est fluide. Alors pour l'instant, les énigmes sont pas ultra complexes. Mais c'est le tout début du jeu. Un trou. Alors ça, c'est qui? Ah oui, c'est le cochon qu'on a libéré et ses gamins. Tu peux toujours rouler en te déplaçant, tu devrais essayer. Ah, il y a un bouton pour rouler. Ah ouais! Avec B. Yaha! Ah, il y a un truc dans l'arbre. Voilà, ça c'est le petit côté Animal Crossing. Hey, c'est à volonté ou quoi? Faut pas me laisser des trucs comme ça, moi. Oh merde. Ah, on peut en plus ajouter comme ça, là. Hop. À chaque fois, faut appuyer sur A pour ramasser. Non, mais c'est pas possible. Bon, on va s'arrêter là pour le moment, mais bon. S'il pleut, la fontaine pourrait de nouveau se remplir d'eau. Ok. Ah, par contre, c'est vrai qu'il y a un timer en haut. Il y a une montre. Hein. Le soir arrive. On va aller voir Monsieur Cochon. Benji, il s'appelle. Mince alors, ça fait si longtemps qu'on est là. On meurt de faim.
Ah, il y a une cloche qui a sonné. Désolé de te déranger, mais est-ce que tu aurais une collation à nous donner? Bah, vas-y, prends des pommes d'or. Non, ça marche pas. Du raisin? Ah, voilà. Maintenant, j'ai la force pour retourner travailler. Au fait, si tu as besoin d'épargner ton argent, je peux t'aider. Je possède la banque locale. Viens me voir quand tu veux. La dalle, ça devait arriver à un moment. Ah bah ouais. Hein. Rouler, c'est tellement amusant. Ça te permet même d'aller plus vite que d'habitude. Bon, ok. Ah, là, il y a des baies. Allez, on va aller le voir. Hein. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Là. Faudrait pêcher, à la base. Bonjour, as-tu besoin que je m'occupe de ton argent? Alors, déposer, retirer. Bah, allez, hein. On va tout mettre. On met 20, allez, on garde 2. Voilà. Ok. Pas trop à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, c'est fermé. Eh ben, il faudrait qu'on pêche, en fait. Je sais pas comment on voit la carte. C'est pas plus. C'est pas moins. C'est pas X. B c'est la roulade, Y c'est la... Ah, la loupe, ouais, peut-être éventuellement. Je sais pas où est le lac. On tourne dans la forêt, de toute façon il y a notre tente, je pense qu'on va dormir. Hein. Si c'est possible. Alors, Kickstarter, c'est quoi ça? C'est bizarre ça. Je remets Kabou. On va mettre Cab dans le doute. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il y avait un bonus lié au Kickstarter où il fallait mettre quelque chose? J'en sais rien du tout. Bon, on verra. Là, c'est le coffre, ok. Et on peut pas se pioter, alors. Ah, mais non, fallait aller voir le hibou. Je fais des conneries, moi. J'avais dit d'aller voir le hibou pour certainement qu'il nous file une canne à pêche ou un truc comme ça. Il est où, le hibou? Il est à gauche, je crois. C'est sa baraque, ça, non? Non, c'était pas ça. C'était en bas... On a trouvé un coffre avec 10 balles. Ah, je sais pas où il était le hibou. Plus haut peut-être? Non. Là, il y a une mine. Là, ça doit être la tour. Non, c'est une deuxième partie du village. Non, c'est la tour. J'ai réussi à me paumer dans un village minuscule quand même. Elle est où la jolie maison du hibou? Je pensais que c'était ça. On peut lire quelque chose là, non? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, il y a d'autres parties du village. À droite, je crois l'avoir vu. Ah, merci Nico. Je repars alors. On voit qu'il y aura un fleuriste, etc. Je pense que le village va être bien animé au bout d'un moment. Alors là, il y a le cochon. Mais je ne le vois pas, cher ami Nico. Lui va me dire de faire des roulades. Non, lui il me parle de la fontaine, s'il pleut.
Est-ce qu'on a un objectif de mission, un truc comme ça? À part... Ah ben on va parler au miroir, hein. On va bien voir. Retourne au sanctuaire dès que tu obtiens un poisson. Ah super. J'ai l'impression que Earl pourrait nous aider avec ça. Ah mais il est où Earl? Where is Earl? Il habite pas là-dedans, on est d'accord. Alors peut-être qu'il faisait nuit, on pouvait pas y aller. Non. Là, c'est plus le village. Là, c'est un genre d'auberge, mais de toute façon, tout le monde est bloqué dans la tour. Là, il faut une pelle. Ouais, je sais pas, on nous a montré sa maison, mais on nous a pas vraiment montré sur le plan où c'était. Donc peut-être par là. Hein. Et puis le jour avance vite, hein. Il fait bientôt nuit. Là, il y a un truc par terre. Une branche, ouais, super. Ici, il y a des champs. Ah, on va pouvoir cultiver, ça va être cool. Cool, cool, cool. Donc, il y a un aspect ferme. Ah, par contre, je suis un petit peu paumé, là. Je vais aller voir à droite du village. En plus, la nuit tombe. Lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Tu peux toujours rouler en te déplaçant. Ok, d'accord. La cloche a sonné. C'est bizarre que le hibou n'habite pas avec les autres. Il y a une tente de magicien en bas. Qu'est-ce qu'on a là? C'est pas ça la maison du hibou? Si. Ah. Écoute-moi bien, fiston. Je vais partir faire un grand voyage très bientôt. Pourquoi? Eh bien, mon garçon, je vais à la recherche de réponses. Je dois comprendre ce qu'il s'est passé dans cette tour. Par contre, je vais avoir besoin de ressources pour ce voyage. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît, mon garçon? Si tu m'aides avec ceci, je pourrais te donner un objet spécial qui te sera utile. J'en suis certain. Ma vieille canne à pêche. J'aurais besoin de 5 branches d'arbres. Souviens-toi que tu peux les obtenir en secouant les arbres. Je pense que c'est bon, on les a. Essaye de les secouer autant de fois que tu veux. Tiens, c'est cadeau. Merci beaucoup pour ton aide, fiston. J'ai une récompense pour toi, ma vieille canne à pêche. Prends-la, tu l'as bien méritée. Avec elle, tu peux attraper plusieurs poissons au lac. J'imagine que ce sera utile pour toi. Cool, et en plus on gagne un cœur. On a une canne à pêche. Alors je crois que par contre, il faut faire X. Et la sélectionner pour pouvoir ensuite l'utiliser avec Y. Ah, où est-ce qu'il y a un lac par contre? Donc il n'y a aucun moyen d'avoir une map là. Si, Y. Super. Zoom avant, ok. Ah, ici le lac, ouais. Ah bah voilà. Tu vas le faire Sonic Frontier, le Kabuki? Même si c'est Sega? Bah en fait je le fais si... Si vous mettez 24 subs là du coup. On est parti de 5 et j'ai dit si on monte à 30, je le ferai, mais sinon non, j'ai pas envie de le faire. Jamais je mets les mains là-dessus, moi. Sonic, non. Non merci. En plus un ersat de un genre de Sonic Breath of the Wild. C'est bon quoi. Donc non, non, c'est surtout un troll là-haut. Hein. Mais bon, si on arrive aux 30. J'ai pas mis de date limite, mais si on y arrive, bah écoute, ouais, ok. Hein. It's you, Kabu. Yeah, Augustin. Comment ça va, Augustin?
Alors, il faut qu'il aille mordre. Ça a l'air assez lent. Ah, c'est bon. On s'en fait encore un ou deux, puis après on va aller à la tour pour faire l'offrande. On se réveille en douceur, évidemment. Bon bah on est pas mal là. Allez go. Ah, et n'oublions pas qu'on peut faire des roulades pour aller plus vite. C'était où l'offrande d'ailleurs? On y est déjà allé. Est-ce qu'on retourne dans une énigme? Non, ok. Ouais. Hop. Bizarre. Ça, on l'a déjà fait, donc on se barre. C'est peut-être par là. Non, là, il y avait un ascenseur. Et nous, on veut aller plus haut. Si on va là, ça dit quoi? Une mise à jour de Forza, les amis. Bah, je sais plus où c'était, moi, l'offrande, là. Ici, on était chez le cochon. C'était peut-être à droite, là. À moins qu'il y ait un ascenseur encore à droite. Ouais. À droite, c'est l'ascenseur. Putain, je suis complètement paumé, là. Donc, ok, ça, c'est le 1. On l'a fait. Après, il y avait le 2. Il fallait un cœur pour ouvrir la porte. Tac. Voilà. Ah, c'est là. Ça doit être là. Non, bah non. Bah, on continue. Hop. Ah, voilà. Et ici, il y a un poisson au sol. Donc on va faire l'offrande, on va donner un verre. Ok, on ouvre la porte. On va se mettre plutôt sur le... Ah, ouais, non, sur la loupe. Ah bah tu vas te faire plaisir, Nico, avec ta carte graphique là. Avec la mise à jour. Alors là, il faudrait une pelote de laine. On dirait bien un chat. On dirait bien un chat à libérer. Allez, on y va. Ça devrait le faire, nous dit Kiniko. Tu m'étonnes. Alors là, on a des miroirs. Il va sûrement y avoir un jeu de lumière. Ouais, c'est ça. Avec des lasers. Alors, ok. Appuie pour faire glisser le miroir. Ok. Alors. Ah oui, d'accord. J'aime bien ces petits jeux-là. Ah oui, il doit rester dans la case violette. D'accord. Est-ce que je peux l'orienter, le miroir? Non. Ok, donc je comprends que là... Je vais le mettre en face. Ah ouais. Il y a un angle quand même. Hein. Ok. Lui, on va le pousser. Ok. On va aller... Alors là, ça bloque. Il faut le faire monter un petit peu. Il faudrait monter là. Ah, il faut que je le pousse. Hop. Non. Et merci pour le resub, Kiniku. Comme promis, 7e mois. Aïe, aïe, aïe. Et les gars, en plus,
Donc on avait Nico Danger avant et j'ai oublié d'activer le stream label pour que ça apparaisse sur l'overlay. Merci beaucoup Nico pour le soutien. Là ça traverse. Non. Oh. Et je suppose que là il faut faire quelque chose aussi. Ok, ça touche l'œil. Il va falloir faire une deuxième fois ici. Ah bah par la droite. Non, je suis sorti. 7 mois d'amour. Ah bah oui, ça passe super vite. Hein. C'est une dinguerie quand même. Et Nico, 14 mois. Sonia, pardon. 14 mois, je sais pas si vous vous rendez compte. Allez, recommence, Kabuki. Bon, bah là, c'est bon. Il n'y a rien à faire. Je vais juste le bouger comme ça. Lui, on va le mettre là. Hop. Et on va faire le deuxième ici. Bah, tu m'étonnes. T'as vu tout ce qui sort en plus, Kiniku. Comme j'ai dit, hein, pensez à vous d'abord. Ils sont orientés bizarrement ceux-là. Je pense qu'il faut le reculer. Là, il n'y en a que deux. Hein. Ouais, il y a celui-là. Il y a celui-ci. Il devrait remonter ça là-haut. Comment on peut faire? Ouais, il faut le faire. Ok. Voilà, ça sera mieux comme ça. Lui, on va le descendre. Ouais, j'avoue, tu t'es fait un méga cadeau, là. Est-ce qu'il faudrait pas le reculer un peu? Non, il faut l'avancer. Ok. Donc là, on part bien ici. Du coup, tu vas te tenir à carreau pour Noël, Nico. Et on a la pelote de laine pour le petit chat. Ah, excuse-moi, Augustin, j'avais pas vu. Alors, la Paris Games Week, ben, vous verrez mon... mon article, quand je l'aurai écrit, je l'ai pas encore, j'ai pas encore fait d'ébauche dans le guac.fr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était mitigé. Voilà. Il manquait beaucoup de choses. Il manquait beaucoup de choses par rapport à d'habitude. Ce qui fait se poser des questions quand même. Sinon, c'était d'un point de vue petit loisir familial pour des personnes qui sont pas à fond dans le game. C'est très sympa, mais je dirais que pour les experts c'est presque inutile. Est-ce que je suis allé libérer le chat? Non. Et ça stream même pas qui dit coup. Avec une aussi belle carte quand même. Katniss. Ah, c'est une chatte. Merci de nous avoir libérés de cette affreuse tour, mon chou. Je m'appelle Katniss et voici ma sœur Yoko. Viens nous visiter au village quand tu veux. Des jumelles. Est-ce qu'elles... des sœurs en tout cas. Est-ce qu'elles font de la couture? J'en vois trop de FPS, Twitch ne peut pas suivre. Ouais, ouais, t'as vu, ils se sont bien habitués. En même temps, tu dis ça, Sonia, je tourne ma tête vers la droite, là. Et je voyais une des chattes s'étirer. Mais ouais, elles se sont habituées au stream. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment, ouais. Bah, en même temps, tu sais, elles mûrissent, elles vieillissent, et du coup, elles s'empâtent un peu, hein. Elles sont un petit peu moins excitées qu'avant.
La petite dernière, ça va faire un an qu'on l'a à Noël, là. Et puis l'autre, ça fait 2 ans qu'elle s'était incrustée dans notre jardin pendant le confinement. Donc, et elle avait déjà un an. Donc il y en a une qui a 3 ans et l'autre 2 ans. Donc du coup, ouais, elles sont plutôt calmes, Sonia, maintenant. Mais elles ont leur petit coup de speed, plutôt la nuit, en fait. Et puis c'est bien aussi quand je bosse en télétravail, comme aujourd'hui, toute la journée, elles sont plutôt cool. Elles ont un petit coup de speed vers midi. Et après, ça va. J'ai ouï dire que l'OST de Spark of Hope, c'est très bien. Il y a Yoko Shimomura et Grant Kirkhope, ouais, qui était déjà. Et Garrett Cooker, ouais, c'est dur ce matin. Mais Grant Kirkhope, il était déjà sur la première OST. Augustin sur. Comment ça s'appelle? Chez Gunther, dans la partie OST. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai mis un lien où on peut trouver pas mal d'OST Game Rip. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas issus de CD qui sortent commercialement, mais c'est extrait directement des jeux, des gars qui se font chier à faire les enregistrements. Et il y avait déjà la Spark of Hope bah, quasiment quelques jours après la sortie du jeu. Donc si tu veux te faire plaisir, aller écouter ça en attendant qu'ils sortent un vrai CD, bah, tu peux quoi. Alors pour sauvegarder, apparemment c'est sauvegarde automatique sur les. J'aime pas trop hein, quand on n'enregistre pas dans un fichier. Et pour l'instant j'ai l'impression que jour-nuit, à part l'ouverture peut-être de boutique. Ah oui. Ouais, tu l'as trouvé. T'as pris Nir. Et oui, en plus c'est proposé en MP3 ou en FLAC pour les psychopathes du son. Là, il y aura un pont à réparer. Ok. Ici, on peut pêcher. Qu'est-ce qu'on a là? Une énigme? Ah, il faudra déposer une fleur là. Mais nous n'avons pas. Merci Kabu-senpai. Alors le jeu c'est Lonesome Village. Il y a le petit logo en haut de l'écran. Lonesome Village c'est sorti il y a une semaine sur Switch et PC. C'était un Kickstarter. C'est Ogre Pixel qui le sort. Il est à 20 balles sur l'eShop. C'est annoncé comme un hybride entre Animal Crossing et Legend of Zelda. Après, j'ai Spotify Premium, il y a beaucoup d'OST. C'est vrai que j'ai Spotify aussi. D'ailleurs, je me posais une question, décemment savoir y répondre, parce que je ne me suis pas encore penché sur le sujet, mais hier, en rentrant du taf, ça me moulinait. Je sais qu'on peut mettre Spotify, il y a un add-on Spotify Twitch, mais du coup, est-ce que c'est uniquement pour diffuser des musiques libres de droit, ou est-ce qu'on peut passer tout le catalogue Spotify, étant donné que si on est en Premium, on paye un abo? Est-ce qu'on peut le diffuser diffuser des musiques sur Twitch ou est-ce qu'on se tape le DMCA en fait? Est-ce que vous savez? Alors est-ce que c'est un truc bidon juste pour une section musique libre de droit de Spotify? On peut acheter des tickets. Les tickets, je crois que c'est pour les énigmes, hein. Désolé, je dois y aller, mes petits sauvages m'attendent. Bonne journée. J'ai cru que tu nous appelais nous, tes petits sauvages, Sonia. Courage et force à toi, hein. Bah, c'est 8h30, donc c'est normal que tu nous laisses. Ça me fait plaisir que tu passes. Et puis on pense à toi, hein, tu le sais. Et merci encore pour ton 14e mois d'abonnement. Oh my god. Et bonne journée. On se retrouve vendredi. Vendredi, c'est férié. J'avais mis sur le planning les horaires habituels, matin, midi, mais peut-être qu'on fera des plus longues sessions, notamment sur Harvestella. Et à midi et demi, on est sur Harvestella pour continuer l'aventure et voir comment ça se déroule. Alors tu peux, mais il y a une stratégie pour supprimer les pistes pour les VOD. Ah! C'est du droit d'auteur basique pour diffuser la musique copyrightée. Tu dois payer des droits directement à la SACEM. Pour les affiliés directement à leur prod. Mais Data, parce que moi je connais bien le délire de SACEM, parce qu'avec mon daron on avait une radio sur Montpellier. Mais comment prouver à Twitch
Bah, je veux dire, aujourd'hui, je paye une SACEM. Admettons, tous les mois, j'ai un abonnement. Ou c'est à l'année, etc. Et je diffuse sur Twitch. Je vais quand même taper des DMCA. Et Twitch ne sait pas que je suis inscrit, enfin que je paye un abo à la SACEM. Donc si à chaque fois, ils me collent un DMCA, ils me coupent le son, et je dois après leur dire que je suis à la SACEM, c'est merdique, quoi. Réfléchis. Bah écoute, moi je crois que c'est baisé, hein. DMC, c'est pas Twitch qui gère. Bah mais c'est quand même eux qui t'envoient un message, etc. Non? Je sais pas, je vais m'enseigner un peu plus, on pourra en discuter. Parce que moi je suis prêt à payer un petit bout de SACEM si ça m'autorise à passer de la ZIC. Hein. Je pensais que c'était complètement bloqué en fait. Ouais, donc on s'en fout de la SACEM alors si c'est américain. Souviens-toi que tu peux attraper plusieurs poissons au lac avec ta canne à pêche. Eh bien, on va pêcher alors pendant qu'on papote. Bah donc du coup tu payes ton droit SACEM, tu informes le je ne sais comment, peut-être par un formulaire ou autre, que tu es en règle et tu peux passer ta ZIC. Parce qu'effectivement, moi je vois des DJ, etc. sur Twitch, donc. Ah et après tu payes un max par pays de diffusion. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait tu peux te regarder de n'importe où. Il n'y a pas un forfait, un truc comme ça. Ils ont pas prévu ça en fait. Ouais, mais pas forcément Gunther, il y a des DJ pouet-pouet. Hein. Je pensais pas au mix techno, etc. Il y a des gars qui passent des sons radio sur les lives. Mais bon, après, mais je vois les VOD qui restent, donc je vois pas de son coupé. J'avoue que j'ai vraiment du mal avec cette histoire d'IMC, hein, mais bon. En fait, la question, c'est comment faire pour ne pas être hors la loi, quoi. Mais apparemment, c'est compliqué parce qu'il faudrait payer les droits d'auteur pour chaque organisme de chaque pays, quoi, que, sur lequel tu diffuses, sachant que tu sais jamais de où on te regarde, quoi. Alors que j'aimerais voir comment on sauvegarde pour arrêter éventuellement le stream vu qu'il est 8h33 et que la matinale se termine. Ce qu'on a dit, c'est que sur les statuts, apparemment, ils disent qu'on peut sauvegarder. Donc hop, on va se faire celle-là. Ok, et comment on quitte le jeu? Et bonjour Gunther, au fait. Hein. Au Japon, par exemple, c'est pas la SACEM, c'est la JASA. Ah, tiens, je connaissais pas ouais, le nom de l'organisme japonais. JASRAC. Alors, moins, non. X. Ah, voilà. Ben non. Alors, il y a des trucs là. Les cœurs. Les diamants, les poissons. Tac, ok. Appareil photo, ouais. Ben, je crois qu'on doit quitter à la sauvage. C'est un peu chiant, quoi. Ça fait un moment que je lurk. Ah, ben cool, Gunther. Non mais c'est moi qui suis désolé, t'es venu papoter en plein dans la discussion et puis j'ai omis de te dire bonjour. Du coup je ne sais pas sauvegarder. Ah oui, maison. Es-tu certain? Bah allez, on va bien voir. Hein. Comme d'habitude, on fait le crash test. On quitte.
On relance et on voit où est-ce qu'on apparaît. Level 3, bah ça a l'air correct. Hein. Ouais, bah c'était là qu'on avait sauvegardé. En vrai, OZEV de cette histoire de musique. Bah, si tu gardes pas les VOD, ouais. Ouais. Ben, je m'étais pris un avertissement à la con, j'ai jamais compris pourquoi. J'avais fait un live de Centennial Case et il y a un Jap là, un vieux Jap de Square qui a déposé un truc. Et du coup, ben, j'ai un avertissement sur trois. Alors que moi, à la limite, je faisais juste la pub pour leur putain de jeu, quoi. Mais je te jure, Data. Donc je l'ai plus jamais streamé. J'ai dit à Osef. Pour être poli. Sinon, en italien, ça fait vaffanculo. Et du coup, voilà. Barge. Non, sans déconner. Alors, ce qui s'était passé quand même, attention, hein, c'est que j'étais en train de jouer et j'avais des galères de chaudière, je crois. Donc, il y a le plombier qui avait débarqué. Ou c'était pour venir réparer ma machine à laver. Bref, ici, donc c'était un créneau pourri comme d'hab quand je stream le midi. Et du coup, j'avais mis en pause et j'étais allé voir avec lui. Ça avait duré 10 minutes. Et du coup, on était sur un écran de pause du jeu avec la musique qui tournait en boucle. Et donc, ils ont considéré que c'était une feinte pour écouter l'OST, quoi. Voilà. X après, bah non, en fait c'est bon, c'est sauvegardé, oui, mais après, je sais plus quel menu c'était pour aller dans la maison. Hier, je suis tombé sur un live de Sonic Frontier, il a duré 20 minutes avant que la chaîne se fasse ban. Le mec a acheté le jeu à Micromania, il a cru qu'il pouvait le stream. Ouais, c'est vrai que même moi, quand je reçois les jeux de Fnac en avance. Je fais quand même le day one pour le stream. Rarement je balance le truc le soir, la veille. Mais je peux répéter. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on reçoit les jeux en avance et qu'on connaît les dates de sortie, les dates d'embargo, etc. Bah j'évite moi de les balancer avant les jeux, sauf si on est autorisé. Hein. Sauf si c'est un jeu que j'ai reçu en promo. Alors, X. Donc là, je suis dans le menu. Ah, voilà. Non. Ah, c'était plus. Ok. Et maison. Augustin, tu disais, tu peux répéter sur à qui, en fait, sur quel sujet? Et là, vous allez voir ce qui s'est passé avant qu'on démarre le jeu. Tout le monde était là au village, c'était la fiesta. Tu peux répéter tout ton stream, s'il te plaît? On recommence, c'est ça? Ah oui! Mais ben oui, mais Sonic, il est passé ou pas? Je l'ai pas bloqué ce mot? Non, c'est Sega qui est. Non, mais justement, tu vois, en haut, Kinikou, il y a le. D'ailleurs, merci, tu as participé à avancer l'objo. Il y a l'objo Kabuki joue à Sonic Frontier si on atteint les 30 subs. Ah, Sonic à 15-0. Ouais, même pour Sega, il y a eu des feintes, etc. Et comme je le dis souvent, j'ai perdu un viewer à cause de ça. Un jeune fougueux qui n'a pas supporté d'être brimé et de ne pas pouvoir écrire Sega, estimant que c'était une dictature de ma part. Ah oui, c'est vrai que t'es modo, Kiniko. Tu peux même te faire payer pour écrire Sega à la place des autres.
Voilà, c'était Lonesome Village. On est à 19,99 sur l'eShop. C'est un jeu Kickstarter. D'après How Long To Beat, il faudrait 15 à 17 heures pour le faire. C'est un peu chelou pour un jeu façon Animal Crossing, etc. Où il y a même, apparemment, on peut planter des trucs et tout. Donc, bon, à voir. En tout cas, c'est plaisant. C'est pipou. Il y a des énigmes. On a déjà vu hein, pour l'instant, mais... voilà, c'était agréable de le faire avec vous ce matin, de le découvrir avec vous. Bah, en même temps, t'attaques l'ego. Ouais, je sais, Data, mais là, on est sur du stream. Après, ça peut être aussi considéré comme du troll, comme tu vois. Mais oui, tout à fait, je n'écrirai jamais. Je ne le ferai jamais en mode article, ce truc-là. Mais ça confirme ce que tu disais, effectivement. Chers amis, merci d'avoir suivi ce live. On se retrouve à midi et demi. On continue directement l'aventure Harvestella qu'on avait fait ce week-end. Let's Play épisode 2. Là aussi, apparemment, d'après les premiers retours, la partie ferme est pas tant poussée que ça dans Harvestella. On peut limite presque faire le minimum, de ce que j'ai compris, et s'en passer, plutôt pour être sur la partie RPG. Donc c'est ce qu'on va voir. Moi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'on puisse tryhard la ferme. Mais apparemment, c'est pas forcément nécessaire ou faisable. Donc, bon, on verra en avançant dans les let's play. De toute façon, on va s'en faire quelques-uns d'ici Noël. Je vais regarder qui est-ce qui stream. Bah, il y a Santo, il doit être sur Parasitev encore. Hein. Il est sur God of War, le gars. Santo Ryuji. Bah, c'est le seul qui est dispo dans ma host list aujourd'hui. Je sais qu'il aime bien streamer le matin. Hop, on lui fait un petit raid pour la force parce qu'il est tout seul. Et qu'on sait ce que c'est d'avoir été tout seul. Est-ce que j'ai bien tapé le truc? Ouais, le raid a été créé. Bah, des bisous à tout le monde, force à vous. Si vous voulez repasser à midi et demi, n'hésitez pas. Et puis, sinon, à la revoyure. Merci Harmony pour le raid, merci Sonia, merci Kiniku pour les subs. Je vous fais tous des gros bisous, des checks. Je vais envoyer l'outro et puis après ça partira directement après le décompte chez Santo Ryuji, qui fait des jeux souvent old school et qui est très sympa. Donc si vous le connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir. Je pourrais pas faire le gros pixel qui n'y coûte depuis la mise à jour de OBS, j'ai pas encore trouvé le moyen de le remettre. Mais je vous fais un petit balayage Luma. Bye bye. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noréo Nikawa en 1981 au Japon et il touche une personne sur 32 000 au Japon. Le fameux Kabuki au Japon.